c'est quelque chose que j'avais eu tendance à repousser parce que je pensais que c'était quelque chose qui pouvait être compliqué. Au final, ça l'est pas du tout et voilà, on a été un peu alerté de par tout ce qui s'est passé dernièrement sur le plan sanitaire, que un peu les dons du sang avaient été impactés lors du premier confinement. Donc lors du deuxième confinement, j'ai voulu en profiter pour donner mon sang. Dans le premier temps, tu arrives et tu remplis un document, un questionnaire, voilà, pour vérifier que tu peux bien donner ton sang. Après ça, tu as un petit entretien avec un médecin qui justement vérifie un peu le questionnaire et te pose quelques questions. Puis ensuite vient le don qui en lui-même dure très très peu de temps. Et ensuite, la meilleure partie, bien sûr, la collation, voilà, qui est très très bonne en prison, ça c'est chouette. C'est extrêmement important et on le remercie vraiment infiniment de donner de son temps, de sa générosité et après de partager son image et de nous en faire bénéficier parce qu'on a un grand besoin de donneurs, on a un grand besoin de donneurs jeunes et on a un grand besoin de fidéliser les donneurs, c'est-à-dire qu'ils viennent une fois mais qu'ils reviennent. Et c'est excessivement important d'avoir pour nous ce qu'on appelle des ambassadeurs comme Léo, et qui ne nous oublie pas, parle de nous, et on est extrêmement heureux de pouvoir l'accueillir aujourd'hui chez nous. Et on espère le revoir, et on espère pouvoir mener plein de projets ensemble pour communiquer conjointement sur le basket et sur le don de sang. 3, 2, 1, go! Donner son sang, c'est quelque chose de très simple et à la fois très important. Voilà, c'est donné à la plupart des gens. Voilà, faut remplir les critères, mais c'est quelque chose que la plupart des gens peuvent faire. Et voilà, c'est très important parce que c'est peut-être un petit effort pour nous, mais mis bout à bout, voilà, ça peut sauver des vies et ça, c'est génial.